Dans nos 100 dernières éditions, les challengers du National Innovation Challenge se sont battus pour une place en finale. À l'issue de notre dernière édition, le cinquième épisode, vous avez pu enfin découvrir les noms des sélectionnés pour la finale. On a le grand plaisir pour annoncer les 7 finalistes du National Innovation Challenge. Catégorie gestion des crises, Monsieur Grégory Martin. Je viens présenter aujourd'hui la VivaBol, un outil durable au service des sinistrés. Nous avons l'obligation de venir en aide aux plus démunis, aux sinistrés, aux populations qui souffrent de ces catastrophes naturelles. C'est pourquoi je vais vous présenter aujourd'hui un outil qui permettrait de venir en urgence, en aide aux victimes. Imaginez un outil qui permet de communiquer, un outil qui permet de s'informer, qui permet de se soigner, de se nourrir. La VivaBol propose ces 5 solutions. Un seul outil. Catégorie sécurité alimentaire, l'équipe représentée par le docteur Ouda Nitu et monsieur Ramjit Kalichar. In 2014 in Mauritius, 2.4 million tons of food were produced, out of which 41,000 containers of perfectly good food were wasted. Consumers also exhibit very unsafe food practices in the kitchen. What I will introduce you today is a real solution. Right at the fingertips of every Mauritian, and this solution, ladies and gentlemen, is called Foodwiz. And it's a solution that qui peut aider tout Mauricien mange bien pour vivre bien. And the way we have conceived Foodwiz is to be a mobile application rather than a simple brochure, for the simple reason that 85% of Mauritians or more are in current possession of a smartphone. So Foodwiz will be your personalized, our personalized, and personal assistant. Why blockchain technology? Because it enables information and trust to be accurate and complete. Why food security? Because one aspect which is very important, it is sufficient, safe, and nutritious food that meets dietary needs. Therefore, for a customer, he needs this assurance that the food he purchased is secure and it is from a reputable source. So what I am proposing is that we use the blockchain technology. Catégorie sécurité routière, Monsieur Pradeep Kumar Singh Jagatpal. Agir pour la sécurité avec responsabilité et valeur pour la vie avec respect. Le projet est basé sur 3 axes, l'éducation, training, réhabilitation et évaluation. Et pour ça, nous avons une combinaison de 3 choses qui sont très, très importantes. C'est la méditation, qui est vraiment une prouvée scientifiquement sur le bienfait sur l'état d'esprit. Et quand nous connectons une personne avec l'appareil neurobiofeedback, nous sommes capables de monitorer sur l'état d'esprit. Et quand nous mettons un simulateur, nous pouvons trouver que, quand personne n'a pas fauté, quel état d'esprit il était. Nous avons vu que l'appareil, quand il est connecté sur l'individu, il y a 3 étapes. Un avant, qu'il fasse un entraînement de méditation, qui sur l'état d'esprit était et qui se comportement sur l'appareil. Catégorie transport public, l'équipe représentée par Monsieur Gajadhar Singh Abilas. The bus receiver has to first of all check, for example, in a bus post, has to check the expiry dates and check the address and check the destination, and check when the semester starts, when the semester ends. For a student post. So this takes some time. We can as well assume that it results in a decrease in the productivity. And there's also unreliable checking because some bus receivers just do not check it, namely in the individual sectors, they do not check it just to save time. So what we are proposing to solve this problem, it is an NFC-based bus post system. The concept is really very simple. So we are just going to replace the current bus post by an NFC-based bus post, and then we are going to have an NFC scanner, which might as well work with the current system
And we can, if we are going towards a cashless system, this can be embedded with an NFC scanner. Catégorie crime et violence. L'équipe représentée par M. Dominique Chanlao et M. Cédric Azemia. Audrey a une population d'à peu près 41 000 du monde. Et il y a 27 du monde dans la prison Rodrigue, donc 25 hommes et des femmes. Mais ce chiffre-là exclut Ben Rodrigue qui transférait Maurice dans une prison et un centre de détention juvénile. Statistiques Mauritius, jamais ils mettent dans ce rapport annuel combien ils transféraient Maurice pour Ben Deli. Et ce Ben Deli-là inclut vol avec violence, trafic et usage de drogue, viol et aussi meurtre. Le fait que je travaille dans une ONG qui travaille aux réhabilitations et réinsertions détenus et ex-détenus, aussi bien qu'ils sont juvéniles dans la prison Maurice et qu'ils sont sans détention pour juvéniles, je gagne l'occasion que toi, ben jeune Rodriguez, mineur et ben adulte, et aussi comprends quel problème a trouvé dans Rodriguez par rapport à ta criminalité. Donc, les causes profondes possibles, peut-être que les gens ignorent souvent leur position exacte et dans des moments de panique, ils perdent leur capacité. Et où ils oublient le numéro, ou ils ne savent même pas le numéro. Par exemple, ils peuvent être trop timides ou ne pas être timides qui causent des tensions dans la communication. Et toutes ces causes profondes possibles conduisent à un manque d'informations et par conséquent augmentent le temps d'intervention de ces services d'urgence. Donc, une solution. Donc, ma solution, c'est MoSaf. MoSaf, c'est quoi ? MoSaf est une plateforme digitale mobile qui permettra à ses utilisateurs de recevoir une aide d'urgence des services locaux lorsque celle-ci est demandée. Je veux dire bravo à ces 7 finalistes-là et bonne chance pour la grande finale. Ces 7 finalistes peuvent désormais concourir pour le grand prix du National Innovation Challenge, soit un financement de 500 000 roupies. Pour récompenser leurs efforts et les aider à aller encore plus loin dans leur démarche pour le progrès de notre pays. Ce soir, vous verrez 4 de ces 7 finalistes. Nous avons fait un bond dans le temps. Ils sont maintenant en pleine réalisation de leur preuve de concept. Ils bénéficient dans cet élan d'un financement du Mauritius Research Council de l'ordre de 75 000 roupies. Là encore, pour mériter la totalité de ce financement initial, il faut faire ses preuves. Ces bouteilles que je viens de récupérer, aujourd'hui je les retrouve quotidiennement, devant la mer, devant la maison. Et ces derniers mois, plus de 1396 bouteilles ont été récupérées. J'ai également eu 48 piles, 975 sacs, mais également 1052 canettes. Ça, c'est simplement sur les 36 derniers mois. Certes, il est bien de nettoyer la plage, de récupérer ces bouteilles, mais que vont devenir ces déchets? J'ai décidé de me poser un peu la question de quel serait l'avenir de ces bouteilles qui, au final, pourraient devenir une matière première. Et c'est ainsi que j'ai eu l'idée de la Vivabol et du concours, de participer au concours du MRC. Lorsque j'ai eu l'information de ma sélection, évidemment, j'étais content d'être sélectionné. Et ça m'a prouvé à moi-même que je pouvais avancer dans un projet, concrétiser des idées. Mais je voulais faire un petit retour sur mes objectifs. Pourquoi avoir participé à ce concours? Parce qu'il s'agit d'un concours d'innovation. Je voulais, en participant à ce concours, prouver que n'importe qui peut réaliser une idée, concrétiser un projet. Je n'ai pas de parcours académique d'architecte ou d'ingénieur. J'ai fait une école de commerce.
et donc je ne suis pas quelqu'un qui est forcément très créatif. Et en regardant un peu les enjeux que nous subissons, soit à Maurice, soit dans le monde, j'ai voulu proposer ce projet au MRC qui répondait non seulement aux défis que Maurice rencontre, mais également pour montrer à la population que même si nous sommes une petite île, même si nous sommes des pays insulaires, nous avons la capacité d'innover, nous avons la capacité d'inventer des projets, des process et des produits. Des produits qui peuvent être issus de matières premières et pas des matières premières que nous connaissons. Des matières premières que nous ne voyons pas forcément comme une matière première, mais plutôt comme un déchet. Aujourd'hui, nous avons reçu des fonds pour réaliser ce projet. Je parle nous, parce qu'il s'agit bien sûr d'un projet que je porte aujourd'hui devant vous, à l'image, mais derrière, c'est un projet qui est soutenu par ma famille, par mon épouse, par mes amis. Et ça, c'est important de le mentionner. Donc j'ai toujours tendance à parler nous ou on. Aujourd'hui, les fonds qui ont été alloués par le MRC, pour mon projet, pour notre projet, est suffisant. Les règles, le règlement, le cahier des charges du MRC est très strict et très bien cadré. Ce qui nous permet justement de préparer et de soumettre un calendrier et des prévisions de coûts. Alors la première tranche a été décaissée par le MRC et je les remercie une fois de plus. Ça a permis de faire l'acquisition de petits matériels. Parce que l'objectif, encore une fois, de la Vivable, c'est bien sûr d'utiliser le déchet comme matière première. Donc le déchet est aujourd'hui gratuit. Encore le collecter, mais même les outils de production de la Vivable sont issus de déchets. Je parle notamment d'un four, d'un moteur, de tout ce qui est la structure qui va avec. Le but est de créer à partir de déchets généraux des outils de production également. Alors à ce stade, 80% de la première tranche a été utilisée. J'ai mis un point d'honneur sur le fait de faire des achats avec des fournisseurs locaux. J'estime qu'aujourd'hui, il est important de pouvoir soutenir l'économie locale. Et c'est pour ça que la plupart du matériel acheté aujourd'hui a été fait auprès de fournisseurs mauriciens. Au niveau du rétroplanning, je dois avouer que nous avons connu un certain retard. Parce que, en voulant justement montrer que nous sommes capables de tout produire, de tout faire localement, que ce soit le design, la conception, la production, je me suis heurté à un certain manque de disponibilité de certaines personnes. Et c'est ce qui a mis un peu le projet en retard. Mais on va dire qu'il me reste encore un mois pour finaliser le projet. On va dire qu'on est à peu près à 55-60%. Le projet, pour le rappeler, il est en quatre parties. La première partie, c'est le design, l'infographie, la conception. Donc ça, cette partie a pris un peu de retard effectivement par rapport au manque de main-d'œuvre, de compétences localement. Donc j'espère pouvoir résoudre ce problème d'ici peu. L'autre partie, c'est le design de la partie survie. Donc il fallait produire tout ce qui est la partie survie. Donc en gros, qu'est-ce qu'un sinistré? Quels sont les besoins des sinistrés, que ce soit en ration de survie? Quels sont les besoins primaires? Savoir se sécuriser, s'informer, communiquer. Donc nous avons pris le temps d'étudier en fonction des normes fournies par la Croix-Rouge. Nous entendons également des éléments de la National Disaster Risk Reduction Management Center du gouvernement de Maurice, afin de pouvoir créer toute cette carte. Donc aujourd'hui, la partie survie, elle est faite. Nous avons encore besoin de rencontrer certains fournisseurs locaux parce que le but également, c'est de produire cette ration de survie avec des fournisseurs locaux, que ce soit des entreprises de l'agroalimentaire. Sur la partie énergie, j'ai également la joie de vous annoncer que la partie énergie est finalisée. Bon, j'ai certaines sueurs de temps en temps, notamment encore une fois plus par rapport au temps, mais je reste confiant dans la possibilité
de la réalisation de ce projet. Pourquoi ? Parce que, faut savoir que la VivaBall, notamment tout le côté plastique, il ne provient pas de ma personne, mais de Dave Aix, qui était un Néerlandais, qui s'est dit un jour, comment pouvons-nous valoriser les tonnes, les millions de tonnes de plastique qui sont aujourd'hui dans nos océans, qui sont aujourd'hui sur la Terre. Et c'est un concept qui a vu le jour il y a 3 ou 4 ans, il me semble, et c'est un concept qui s'appelle Precious Plastic. Et Dave Aix a réussi à mettre en place toute une communauté. Et aujourd'hui, dans le monde entier, il y a des outils de production décentralisés, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe, où chacun, maintenant, produit des objets à partir de plastique recyclé. Donc, je reste confiant parce que le projet, notamment autour du plastique, il existe. Et puis le reste, on va dire que ce sont des briques qu'il faut maintenant assembler et faire en sorte que le projet se réalise. La prochaine étape est la plus cruciale. C'est celle de finaliser les outils de production, celle qui va permettre de prendre le plastique, de le broyer et d'en faire un nouvel objet. Et cette étape, qui est toujours en cours de conception, nous avons deux ateliers. Un atelier pour les structures qui travaillent le métal et un atelier qui travaille toute la partie électronique, modification du four. Et on va dire que c'est l'étape cruciale du projet parce que la spécificité de la VivaBall, c'est que tout se passe autour du plastique et du déchet. Pourquoi le projet VivaBall doit gagner aujourd'hui? Comme je l'ai expliqué à travers cet entretien, nous sommes arrivés à une certaine limite. Une limite de cette société. Une société de consommation à outrance. Il faut savoir que nous avons épuisé l'ensemble des ressources que la planète peut produire. C'est-à-dire que nous vivons aujourd'hui à crédit. La sonnette d'alarme est tirée dans tous les sens. Malheureusement, et notre île n'en fait pas exception, nous continuons à avancer dans la mauvaise direction. Cette prise de conscience, elle doit être immédiate pour l'environnement, mais surtout pour nous. Ce que je veux dire par là, c'est que cette victoire permettrait de montrer qu'un projet, la VivaBall, qui met en avant notamment l'économie circulaire, donc une nouvelle forme d'économie, l'économie de demain, l'économie de partage, et qui a aussi l'importance de mettre en avant les biens communs, montrer que le partage, le sens de responsabilité réalisera et permettra une société meilleure, une île Maurice meilleure. En étant sélectionné, ça a été pour moi déjà une première petite victoire. Pourquoi ? Parce qu'avec les fonds du MRC, nous avons et nous sommes capables de produire ces outils de production. Et ces outils de production, peu importe la finalité du concours, nous les mettrons à disposition du village de Troubiche pour faire en sorte que chacun, chaque habitant, chaque personne de Troubiche puisse être acteur. Acteur, c'est-à-dire collecter le plastique et demain produire des objets qui pourront être utilisés dans la vie quotidienne ou même revendus. Donc ça, c'est vraiment une première petite victoire. Ensuite, pourquoi gagner ? Je n'ai pas d'attente précise, c'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir un métier très intéressant, j'ai la chance d'avoir une famille qui me soutient. Je n'ai pas d'objectif financier par rapport à ce concours. Une fois de plus, l'objectif est de montrer que nous pouvons tous être acteurs de la solution, d'une partie de la solution, parce qu'une fois de plus, VivaBall n'est qu'une partie de la solution aujourd'hui. Mais par rapport à la somme qui sera disposée, je mettrai en place une petite filière de collecte de déchets plastiques dans Troubiche. Ce que je vais d'ailleurs amorcer dans les jours à venir, ça permettra de valoriser le plastique dans le village de Troubiche. Et une partie de la somme permettra également, comme je l'ai promis à la Croix-Rouge, de repeindre leur bâtiment, un magnifique bâtiment qui est à cure-pipe, mais qui subit les aléas climatiques. Et puis donc le reste de la somme, j'en parlerai avec mon épouse et nous verrons comment l'utiliser à bon escient.
Alors, c'était vraiment un grand plaisir de nous apprendre sa nouvelle là avec beaucoup de joie. Et moi, je veux dire que je suis un petit peu surprise parce que tu n'as pas les autres candidats qui, moi aussi, c'était une présente dans le projet bien, qui était bien mérité. Pour moi, l'application, c'est un challenge qui nous prend comment on a envie de développer à Maurice et surtout, par le Mauricien, nous bien multiculturel, donc certainement différents types de manger. Donc, pour faire cette application-là, run et marcher pour sac du monde. Donc, c'est ça le team qui met en place pour pouvoir faire une application que tout le monde a à vie. Le projet, c'est un progressive web app et donc qui nous appelle le Food with App. Donc, l'accent est mis, comme le nom l'indique, sur l'aspect donc, de la nutrition en particulier. Parce que nous observons au niveau donc, de nos travail que donc, il y a pas mal de problèmes au niveau de la population mauricienne sur l'alimentation, c'est-à-dire que les gens mangent mal. Donc nous pensons que nous apportons quelque chose de plus dans la vie des Mauriciens à travers sa progressive web app là, c'est-à-dire que en utilisant cette application, vous êtes plus capable de mieux gérer donc votre repas au quotidien. Donc que ce soit au niveau du petit déjeuner, du déjeuner ou du dîner, c'est-à-dire planifier quoi manger. Et mais aussi nous mettre l'accent sur les menus mauriciens, donc les recettes entièrement mauriciennes qui pour être visées par un nutritionniste qui aussi font partie dans nous l'équipe. Donc ces recettes là, donc la personne, donc l'utilisateur, pour capable donc planifier ce repas que ce soit au quotidien, que ce soit au niveau de donc d'une semaine. Et en même temps, l'hypoconé, donc par rapport à ce profil, donc son âge, donc son niveau d'activité, donc combien de calories qu'il a besoin de consommer par jour. Donc quand il planifie ce repas, l'hypocapable connaît ce qu'il peut excède ce nombre de calories là. Et l'hypoconé a une statistique qui peut, donc le app peut donner la possibilité aussi donc d'avoir ces statistiques et de pouvoir aussi gérer aussi donc au niveau de la santé. Et aussi, un autre objectif, c'est permettre à la personne, quand il planifie ce repas, c'est de pouvoir ne pas gaspiller, c'est-à-dire acheter en fonction de ce qu'il a besoin de manger. Et donc, pour ce faire, nous app pour aussi permettre à la personne de se connecter à un supermarché en ligne, donc qui peut faciliter aussi ce achat par rapport au menu qu'il a planifié. Donc, on a reçu le Seed Money, le premier installment du Seed Money. À peu près la fin de mai. Et nous servons ça principalement, une disbus principalement pour expenses qui sont associées avec le développement du app. Par exemple, c'était un domain, un serveur, besoin créer un account, le Play Store, etc. Mon collègue est capable d'élaborer. Mais aussi, nous aussi servons ça pour extraire des informations. Depuis ban source internet, depuis ban livre, nous aussi administrer ban surveys, c'est-à-dire ban micro territoire avec ban utilisateur, et aussi nous avons l'intention de servir le remainder de sa seed money là pour faire ban focus group pour voir justement comment pour optimiser sa app là. Commencer, nous prenons comme un challenge. Alors, tout projet que nous prenons, c'est un challenge. Et de là, nous revisons nos technologies, nos roadmaps et nous guettons par rapport à ça. Nous avons des milestones qui nous set. Est-ce qu'il nous précipite des deadlines ou bien non? Et là, par rapport à ça, nous sommes capables d'affirmer que oui, nous sommes capables de mettre des deadlines. Oui, nous sommes capables de mettre des basics dans l'application. Et faire l'application fonctionne correctement dès qu'il nous finit arrive vers la fin. Alors, c'est un amalgame de contenu et de fonctionnalité. Moi, je plus occupe côté fonctionnalité et mon collègue, c'est plus côté contenu. Alors, once nous meet up, nous join, nous faire le mariage entre le contenu et les fonctionnalités. Pour guetter comment on peut aller de l'avant avec ça. Au commencement, nous avons trouvé un petit peu challenging. La raison pour laquelle, c'est que nous avons, d'après les guidelines, nous avons promis 6 mois pour achiever. Mais après, nous finalement, nous n'avons que 3 mois. Et au commencement, nous avons trouvé un petit enjeu.
Mais après, petit à petit, nous regagnons confiance parce que nous réalisons que 50% du travail a été déjà fait avant la présentation devant le jury. Mais maintenant, il reste à optimiser et à peaufiner et vraiment à prendre en compte comme si, qui a besoin des utilisateurs plus spécifiquement. Donc maintenant, c'est vraiment le fine-tuning of the application. Ça doit donner le logo aussi, si nous sommes capables de mettre ça dégradé. Tu as envie de gagner le pour année, couleur dégradé là. Ouais, c'est pas mal. Ben, je remarque que c'est mon couleur, un couleur qui est dégradé. Il y a bien avec tu les autres couleurs là. Je suis vraiment étonné de cette app là, parce qu'il y a beaucoup de functions là-dedans, sur functionalities. Il est bien avancé. Même pas réalisé qu'il y a un portable, like, un petit app comme ça. Nous avons fait vraiment beaucoup d'affaires là-dedans. Je ne sais pas ce qu'il nous a fait, mais il est vraiment bien intéressant. Alors, pour moi, c'est très intéressant parce que je fais du sport. Donc, ce que je mange, c'est très important. La quantité de calories que je consomme par jour, c'est très, très important. Donc, c'est juste qu'on n'a pas le temps, en fait. Le temps est peut-être le moyen de gérer tout ça. Je trouve ça très intéressant. Et deuxièmement, le fait d'avoir accès aux ingrédients, donc de pouvoir commander des ingrédients en ligne, passer peut-être par des supermarchés et que ce soit livré chez nous, ça serait juste parfait. Mais ce qui est intéressant, là, il y a sa couleur dégradée là. Et pour le moment, il y a une line of codes, donc ce qu'ils ont trouvé pour le moment, c'est juste line of codes. Of course, énormément UI, c'est un framework en fait, qui nous peut aider là, nous peut juste mettre un meet dessus. Et, par rapport à content, par rapport à une third party apps, qui est un clash là-dedans. Et de là à là, c'est une testing period qui peut venir dans pas longtemps. Côté là, nous sommes capables de vérifier si tout marche correctement. Maintenant, the next step remains to populate, donc provide content. Donc pour ça, nous avons fait pas mal de data mining. Nous avons translate English to French, ou French to English, pour standardize the language. Ça, c'est une information. Nous avons extraire cette information nutritionnelle pour tout ce menu-là. En troisième, nous avons aussi administré un survey avec un utilisateur potentiel pour regarder qui fréquence pour logon d'une application pareille, qui est une fonctionnalité qui a tendance à servir plus que les autres. Est-ce que vous avez l'intention de payer pour une application comme ça ou bien vous avez strictement servi une application gratuite? Donc c'était vraiment gagner plus d'informations vis-à-vis d'un utilisateur mauricien, mais aussi gagner le contenu pour mettre dans l'application. Donc, une autre étape qui nous a besoin de faire pour ça, donc complète l'application, c'est mettre nous en contact avec un supermarché en ligne. Donc, c'est une étape donc, qui est en progression. Nous faisons un contact et nous avons une discussion, une réunion qui peut venir donc, cette semaine-là en fait, et semaine prochaine. Et le but, c'est de pouvoir rendre l'application donc, durable. Pour capable rendre l'application accessible à tous les Mauriciens, donc, nous avons trouvé une solution pour rendre l'application financièrement viable. Et c'est, nous pouvons penser donc, à travers les discussions avec les supermarchés en ligne, nous pouvons capable faire donc, cette étape-là. Bien peu de fois, nous réalisons que fait, food poisoning arrive à cause d'une mal handle la nourriture à la maison même. Et donc, la contamination arriver à la maison. Donc, empoisonnement alimentaire arriver avec ban manger qui nous préparer à la maison. Et donc, this is where sa Foodways application est capable mieux aider la personne qui prépare se manger, éduquer de ban food hazards qui est potentiellement capable de contaminer la nourriture et mieux mitiger sa ban contamination là. Je
Et surtout quand on pense orange, on pense carole, giromond, de quelque chose de plus visuel en termes d'alimentation. La malnutrition et la malbouffe, c'est une réalité des choses dans le Paradise Island. Donc c'est la vérité qui aussi qui... l'île Maurice est bien reconnue pour son long sandy beaches, mais aussi, il est aussi reconnu pour ce taux de maladies non transmissibles comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le metabolic syndrome. La malnutrition et manger sainement, donc c'est à travers nos applications qu'ils le produisent. Parce qu'il y a aussi une vérité qui, de nos jours, il y a plus de personnes qui peuvent become health conscious. Donc, comment est-ce? Donc, l'app est une plateforme qui pourrait lier l'alimentation et aussi la santé. Nous pensons que Food with App mérite de gagner parce que un élément important de cette application-là, c'est qu'il touche à un point sensible du consommateur mauricien, c'est ce budget alimentaire. Donc, qui est quand même élevé parce que les prix des aliments ne sont pas donnés. Donc, l'application qui peut permettre à un mauricien quand même de bien cibler ce qu'il peut acheter et en même temps, Edli mange ce qu'il a besoin et ça rejoint un petit peu nos logos. Je pense que si nous disons dépense bien, mange bien, vive bien. Foodwiz is very, a very good app. Je vraiment recommande ça. Ben, en fait, je souhaite que ça marche déjà pour que nous puissions déjà y avoir accès. Si l'application peut permettre de bien manger tout en économisant son argent et en planifiant bien son repas, ben, je pense que c'est une très bonne idée. Donc, comme on a pas mal sélectionné donc un travail à mais on est bien content et aussi on a un petit stress parce que avant moi tu m'as montré un prototype qui pour commencer mais à ce moment j'ai besoin de montrer une affaire qui vraiment me sait donc moi tu besoin penser qui développait on parle gaieté finalement on pense mon cousin qui m'a tué des impéros au lit avant qui déjà connaît mon projet et qui motivé penser qui relation travail business pour bien moi c'est lui donc mon demande lui mon arrangement avec lui même commencé avant que Cédric était sélectionné pour la finale. Il était venu me voir pour partager son idée, pour avoir certains feedbacks. Mais une fois qu'il était sélectionné, là, il est vraiment venu me voir et me dire « Oui, là, il va falloir développer cette application. » Donc là, j'ai discuté avec lui pour voir ses besoins, qu'est-ce qu'il fallait faire, comment est-ce qu'on allait procéder et au niveau du planning. C'est là qu'on a décidé qu'il nous fallait 3 applications différentes, 2 applications mobiles, et un serveur. Et puis, au niveau des besoins, on a commencé tout doucement. Tout d'abord, avec l'application client. Et au fur et à mesure, on se rencontrait, soit chez lui, soit chez moi. Et là, on a défini des besoins. On a dessiné un peu ce qu'on voulait. Et on a travaillé d'une manière assez agile. Au fur et à mesure, on avançait pas par pas. Et là, aujourd'hui, on est arrivé assez loin dans le développement. Nous avons quasiment terminé. Donc la mise en œuvre, ça s'est fait au fur et à mesure, mais avec un planning qui a été défini dès le départ et qu'on a pu respecter au fil du temps. Pour une application là, moi c'est le client provider. Et puis deuxième là, c'est le backend. Backend, on finit mettre online. Ça est correct, il peut marcher. Ouais. Il est assez rapide. Okay. Puis troisième là, ça nous besoin. Terminé bien correctement. Okay. Ça, c'est le provider. Le provider là, il est ici à ce moment. Ouais, tu suis montré. Il faut savoir souvent qu'on a des situations d'urgence, on est paniqué. On ne sait pas quoi faire. Donc là,
on n'a pas forcément le numéro du SAMU ou de la police en tête. Là, il faut aller chercher quelque part, si on a téléphone ou téléphoner un proche. Donc, on perd beaucoup de temps comme ça. Et également, des fois, même quand on téléphone au service, ça prend du temps également, au service d'urgence. Donc, ça, c'est les manquements que je trouve qu'on a à Maurice, c'est que bien souvent, dans des situations d'urgence, on perd beaucoup de temps pour pouvoir contacter les personnes qu'il faut. Donc, cette application-là va venir répondre à ce besoin-là, parce que ce sera tout le temps là. Vous prenez votre téléphone, vous ouvrez l'application, ça prend quelques secondes, et vous cliquez sur l'icône appropriée, et automatiquement, toutes les personnes qu'il faut seront contactées, que ce soit les services d'urgence et même vos proches. Donc, ça, c'est vraiment un grand gain, et ça peut aider beaucoup les Mauriciens en sauvant des vies et également en informant des personnes qui se seront inquiétées. Bon, j'ai là jusqu'à maintenant. Nous bien avancé, donc au tout début, moi, je pensais que tu pouvais avoir une seule application, mais quand je discute avec mon développeur, Guillaume, il explique moi qu'il est trop lourd dans un portable, donc il convient trop beaucoup. Il dit moi, il préfère nous gagner des applications, mais au final, il y a vraiment trois applications parce qu'il y a un customer, il y a mon serveur que tu as besoin de communiquer et mon provider, donc provider of service. Donc voilà en gros l'autre lecture et donc moi à peu près avec les 90% dans mon customer app, mon provider app aussi 90% et côté présentation là moi j'ai un peu pas moi pour présentation et comment je peux faire mes simulations etc. Puis là N pour mon provider donc il fait N des ça c'est le premier là il est correct. Ensuite, serveur pour contacter mon provider qui vise. Si de mon ligne permet de couvrir développement application là. Donc, si je parle par exemple une compagnie qui coûte moi un peu plus, donc mon get un freelancer, donc qui permet vu qu'il me paye mes skills en développe mobile app développeur, donc moi besoin à payer un développeur pour faire mon idée vienne réelle. Donc ça, Seed Money Line permet moi de payer mon développeur. Donc ça, Seed Money Line permet moi de franchir trois étapes, donc c'est-à-dire mon customer app, mon côté serveur, donc mon back-end, et côté service provider, donc côté application, mon provider qui peut être aussi une application. Donc ça me permet moi de faire ça et aussi pour mon vidéo qui m'a déjà contribué. Blood group aussi, le cas a changé. Si tu as un special, on dit health issues, allergique, asthmatique par exemple. Ouais, ok. Il a mis tout mon docteur privé, comme je suis en train de au tout début, je suis bien content, je suis bien content de l'idée là et je suis un peu comme dit, stressé ou en doute qui, par exemple, jury. Pas pour répondre comment je suis bizarre, mais au final, il répond comment bizarre. Et je suis bien content de l'application là. Il y a une question qui me permet de m'améliorer pour mes présentations et mon application aussi. Et aujourd'hui, je me prends vraiment un challenge. Et dans mes affaires qui sont arrivées en cours, par exemple, ma nouvelle application qui est sortie et je peux appréhender un peu ma question qui peut venir, mais je bien préparé moi pour. Je bien confiant donc de mon application et je bien quoi qu'il peut réussir. Les difficultés, c'est de cerner vraiment ce qu'on veut faire dès le départ. Parce que, imaginons qu'au départ, on dit qu'on veut faire une application pour faire certaines choses, mais en cours de route, on remarque que finalement, on doit couvrir d'autres besoins. Mais là, on va devoir retravailler l'application initiale et perdre beaucoup de temps. Donc, ce qui est très important, c'est de définir les besoins dès le départ et également sélectionner les technologies. Les technologies, ça peut beaucoup nous aider en termes de temps pour la mise en œuvre. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a décidé d'aller sur le dernier framework de Google, Flutter, pour les applications mobiles, qui est vraiment très rapide pour effectuer le développement. Et au niveau du serveur PHP, que je maîtrise assez bien et qui donne des performances satisfaisantes dans un temps assez raisonnable. Moi, c'est tout idéalement
pour chaque item, chaque provider, ça nous finit ça. Ouais, pour chaque provider. Donc, en cas health, on a juste, par exemple, ambulance, accident. Nous avons testé, par exemple, là, nous initions un health request pour health. Je pense que ce projet mérite de gagner en raison de l'impact que ça aura. Si demain on implémente une telle application, chaque Mauricien pourra, qui a un portable pourra l'utiliser sans aucun souci. Et ça va vraiment apporter un plus à Maurice. L'impact pour moi, application, si effectivement Livin le launch, et normalement pour une end-free version et une premium version. Donc, free version là, c'est et tout mon service logo qui nous a, pompiers, fire et ambulance, etc. Donc, ça, c'est pour gratuit pour tout le monde parce que tout le monde ne peut pas payer, je déjà pas payer pour ce mon service là. Et pour une premium version aussi, que c'est ça que l'application là peut développer une vue commerciale, donc côté engagement, par exemple, s'il y a par exemple l'assurance, ou s'il y a envie de gagner man soin dans une clinique, par exemple, ou, et aussi pour man touriste qui vit de Maurice, je ne pas trop connais effectivement qui man service Kavina, donc je n'ai la possibilité de servir ça, pour soit man proche à l'extérieur connaît, ou servir man clinique ou même peut-être l'ambassade car connaît qui si jamais vous avez un problème ou même peut-être le tel aussi. Donc l'enjeu 500 000 roupies c'est déjà une grosse somme d'argent, donc l'argent sera utilisé dans le setup de la compagnie même en lui-même. On aura besoin des staffs et on devra maintenir l'application et comment faire par exemple la publicité, etc., la gestion du personnel, les staffs, etc. Donc en gros ce sera le setup de la compagnie, faire le advertising, le marketing, donc ce sera utilisé pour ça. Et éventuellement on aura plus besoin des funds encore, donc après il faudra que je me rapproche vers des sponsors ou des stakeholders involved pour faire ça fonctionner. Le provider a un petit peu travaillé là hier soir, donc là on a avancé, mais toujours la partie de notification, ouais. Mis un travail dessus. Par exemple là tu peux ouvrir l'application de client. Moi mon pensée Moussif mérite gain à National Innovation Channel qui fait parce qu'il englobe tout. Il n'est pas juste, comment dire, côté agression, côté fire, s'il y a un problème, par exemple, nous avons un cas bien triste côté de du monde. Je ne pas connais vraiment que j'étais dans mon endroit et pas de cas fait rien. Et par exemple, côté agression, nous avons un tamo qui peut-être que nous pas capable blâmer tout le temps mon service provider, car c'est une miscommunication. Donc, ça lui permet tout mal mauricien donc servir l'application là et accélérer sa communication là pour sauver mon avis plus vite. Donc principalement lui pour être tout mal mauricien pour sentir être concerné quelque part qui car dans la vie j'ai vécu un moment qui cause de qui espérer qui mon service d'urgence fin plus bonheur et sa application là pour permettre mon timoun être plus confiant ou comment dire, un petit standard, comment dire, qui bien, qui pour achieve, donc pour ça. Et voilà, donc en gros, il pour un gros gain pour le Mauricien. Effectivement, je suis très content comme une gain ça email là qui m'ont sélecté pour aller au final parce que vu que nous travaillons assez dur moi avec nos bons collègues comme pour monter ce prototype là, donc je suis bien satisfait qu'ils m'ont juste apprécié nous l'idée comme dire. Et en plus ce qui m'a plus content c'est que mon cave continue recherche là améliore projet là représente un bon prototype pour final. Quand vous avez testé ça combien ce système là côté disons moi là ça la route là. Donc notre projet lui c'est qu'il target c'est
la population qui voyage pour bus pour Bangkok ne veut pas payer normalement. Donc nous qui faisons une vie dans cette idée-là, donc tout premièrement, parce que normalement, tout le monde opérateur bus se gagne un montant fixe, comment dire. Donc irrespectif combien de passagers je vais transporter. Donc un enfant est trouvé qui est un avant bus, comment dire, un avant passager qui va payer, et des fois, je ne pas arrêter le bus, tout ça là. Donc nous avons envie de trouver un moyen pour encourager sa main opérateur bus là, prendre sa main passager là. Donc les moyens idéaux, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois qu'ils prennent un passager qui va payer, je vais gagner l'argent accordingly, comment dire. Je vais gagner un montant fixe. Donc à chaque fois qu'ils vont taper sa cote là, un montant peut créditer dans notre compte, comment dire. En fait, il n'y a pas seulement un avantage pour le public, il y a aussi un avantage pour un opérateur bus même. Disons qu'il y a actuellement un contrôleur bus, il y en a pour lire un pass. Il y en a pour check sa date d'expiration, check qui côté, qui c'est origine était, qui sa destination était. Et qu'il y a aussi besoin de vérifier si pas, disons, un étudiant, il y a un TM, quand il commence, quand il finit, tout ça là. Donc tout ça là pour finir faire de l'espace une seconde. Dès qu'il y a un code là, t'appli le device là, et voilà. Ok, quand t'acceptes. Ah, c'est un coup de parce que toi, la route n'est pas supposée valider. Donc, tu n'es pas supposé accepter, il m'en rien. Ok, ça c'est bon là. Commencement, moi, j'ai un petit projet là. Mais c'est moi, nous, dédication, nous pas qu'à dire si tu as 100%. Mais tout de même, monter un petit prototype, comment pour démontrer l'application là, comment c'est. Mais finalement, là, qui nous sélectait, donc, moi-même, mon collègue, nous motivé à 100%, comment dire. Ce qui n'est pas qu'à monter un prototype, c'est qu'il nous a servi directement avec minimum modification. Nous avons une compétence sur lui et qu'il nous a monté. Donc, finalement, c'était l'occasion pour nous présenter un tel prototype. Oui, là reste un mois et d'après nos plans, comme je disais, nous finissons complètement 60% et que ça, dernier mois, c'est resté là. Nous avons un plan qui nous finit terminer avant ça. Vous êtes aussi pareil. On va vous détecter. Nous finissons complètement code là. Il est ok, tu as fini de vérifier pour des testing. Tu aimerais avoir un petit prix? En fait, notamment, il fait quand j'étais. Là, nous, quand on est arrivé, il finit dépasse 10 mois. Donc, il finit dépasse 60%, le projet finit complété. Donc, ça, c'est le monde là, bien sûr, aider de nous. Parce que tout le monde, l'appareil électronique, c'est qui nous servit normalement, nous pas gagné directement à Maurice. Donc, nous a fait importer à Maurice. Et jusqu'à l'air, disons, nous-mêmes, nous, NFC scanner. Nous avons un microcontrôleur, tout ça là nous finit à porter et que nous finissons montre notre premier prototype là. Là, du moment qu'il nous gagne deuxième niveau funding, là ensuite nous pouvons aller vers les final products. En fait, côté code là, tu as fini complet testing, ils ont m'emmené sur la route là. Pour moi, c'est posé valider. Oui. Tu es super, oui. Ouais. J'ai checké. Fini checké. J'ai checké. Tu as checké dans le logline en ligne? Avant qu'il nous commence ce projet-là, nous prenons un point important en considération, c'est user experience. C'est-à-dire, est-ce que ça contrôle ce que peut servir là, est-ce qu'il est facile pour le servir? Donc, tout ça, un aspect là, nous avons fini prendre en considération. Et quand on peut tester aussi, rapidité, c'est un facteur qui nous peut prendre, nous peut donner bien une priorité, bien autre, comment dire. Et pour l'instant même, là, quand il était là, nous avons déjà un prototype et que nos systèmes sont déjà rapides. Du moment qu'il peut taper code là, instantané, il peut finir record, il peut finir juste code là, valide, pas valide. Donc, nous avons le bon chemin et que le N mois, prototype là pour améliorer définitivement. Premièrement, nous faisons une recherche avant et nous avons un langage ce qui est plus approprié pour servir et tout. Et nous avons un code ce que vous trouvez dans un forum et tout, quand on est online et tout, mais la plupart c'est Akshay qui nous redit pour nous. Comme si, à propos de l'issue ce qui est principal, ce qui comme si, concernant comme nous étudiants, comme les personnes âgées, comme quoi. Comme si, puis, mon issue, c'est qu'il bat la face et que c'est qu'il nous trouvait dans la vie quotidienne. Comme si, de temps en temps, ne pas porter attention, comme si, amène ça mon issue là, comme si nous fait faire face à ça. Et qu'on nous grave, tackle mon issue là, c'est en globalité. Ben, quand initialement, comme si, étudiant, les étudiants pour voyager, et d'écoute, contrôler la suite des autres pays. Même si vous êtes pas où, dans la route. Ben, man, il faut comme ça, comme si et d'envie de faire ce résultat, tout ça. Ben, il faut super aider et côté contrôlé aussi, il faut aider comme si les plis rapides, les plis convenables aussi pour eux. En fait, sur capacité, pareil, il est sans national, il te cache tout un câble après sur UID 4 bytes, peut-être 8 bytes. Donc, il y a moins 100 gains de duplicate. Donc, si moi, pour classifier le projet là, je vais classifier en 3-4 parties. Donc, premièrement, il y a besoin de détecter un code, ça qu'il y a des enfers.
Deuxièmement, il y a une mesure de sécurité. Vu qu'il y a un système qui peut relier un système qui peut créditer l'argent d'un compte, il n'y a pas besoin d'avoir une faille. Il n'y a pas besoin d'avoir un tampon dans ce système-là. Donc, par exemple, pour une simple validation, il y a une point code, il t'applique un code, il n'est pas supposé que tu appliques le même code de sa durée de temps-là. Donc, aussi, sa code-là, il n'est pas supposé reproduire un code pareil. Donc, tout ce système de validation-là, il y a. Donc, pour l'instant, nous allons dire qu'il nous finit de développer un système qui peut lier un code. Il peut finir de ce code-là, il tape un code, il peut rétablir. Et qu'ensuite, il peut aussi connecter à un serveur, à un système cloud online. Il finit de la liste qui a un code valide. Et quand on met un code qui n'est pas valide, il finit de détecter que ce code-là il y a une erreur, il n'est pas supposé valider. Donc, pas prendre aucun montant qui vous crédite dans l'account. La plus grosse étape, c'est qu'il nous besoin d'inclure encore une fonction côté sécurité surtout. Ça va une sécurité, ça va un algorithme qui nous aide à développer là, ça est un peu compliqué, donc il prend un peu de temps. Et aussi car nous besoin d'extendre côté nos microcontrôleurs, nos microprocesseurs, nous besoin remplacer pour un qui plus puissant, nous besoin les autres fonctions. Donc ça, des prochaines semaines, c'est là pour crucial comment vous détermine ça. Non, en fait, il y a une trick ça, tu vas sonder sur la capacité. Ouais, d'accord, il ne faut pas qu'il y ait un peu de parce que tu as une capacité dans le cas de l'IA. D'accord, là, il y a un seul data, c'est ce ID. Et pour ça, il n'y a pas qu'à extraire beaucoup d'informations parce que tu n'as pas d'informations, on les trouve dans le cloud. Et il y a bien du seul pour un hacker qui a ce data là. Côté un paramètre sécurité, pour commencer, nous avons. Le moins de détails, il vous concerne côté et comment Jane tu peux expliquer. Côté ma personne âgée, ma étudiant, que la vie passée, il néglige tout ça, ma personne là. Il a un peu comme si. Combien de jours même, un regard de vous, comme si dirait, on peut bien se venir, la moitié de l'école. Ben, c'est quoi ça? Combien de jours, un moitié de l'école, tu reformes une. Tu finiras ton bis. Ben, pas revenir, bisti super vite, tout cela, ben, ou ressenti, ou comme si une angoisse en même, une nouvelle place, une nouvelle chose. Ben, pour tirer l'angoisse avec un nouveau étudiant, une nouvelle chose, ben, c'est principalement à ça. Mais écoute aussi, pareil, c'est pas des détecteurs. Yes, pour moi aussi, et également pour toi. Le même transit, comment tu le même transit. Mais est-ce qu'il va aller là, pareil, le crédit de l'est qu'il parlait? Va aller là, pareil, il n'est que des destinations. Il fait même PST, comment tu comment avec toi? Ouais, nous pareil, c'est confirmé. Et actuellement, jusqu'à maintenant, il est super dédié à ça. Il y a une passion pour ce qu'il fait, totalement dédié à ça. C'est Will bien faux. Ce qu'il y pensait, ce qu'il imaginait de sur la tête, il fait revenir en réalité, il veut l'achever. C'est ça. Et sur les goals, même s'il prend le temps, mais il travaille sur les goals. Il veut achever sur les goals, c'est ça. Comme on veut dire, il met ses équerres à fond là-dedans, dans tout travail, ce qu'il fait en fait. Peu importe, travail petit à plus grand, tout ça. Il fait lire à fond. Il met sa ponction de cette pièce sur la plate. Donc pour moi, la National Innovation Challenge, c'est un projet qui mérite gagner, c'est un projet qui crée maximum l'impact de pays là. Et que définitivement, ce projet-là, s'il est implémenté, il peut amener un tas de changements au niveau. Quand on a un STLM, c'est une piste qui va prendre un passager, définitivement, ça peut changer. Parce qu'à chaque fois que vous avez raté un passager, vous avez raté l'argent qui peut rentrer dans votre compte. Parce que ça, et côté un opérateur BIS aussi, il peut une marge de l'avant, comme je dis. Votre productivité pour améliorer, vu qu'ils avaient ta bonne code-là rapidement, comme je dis. Et aussi, ce qui est plus important, c'est pour côté gouvernement. Le gouvernement, une fois qu'on a la base de données-là, disons le gouvernement pour connaître combien de passagers peuvent voyager sur la route là, il peut y avoir une statistique pour connaître qui est la route plus populaire, qui n'est pas populaire, combien de bus pour mettre sur la route là, combien de bus pas pour mettre. Donc c'est un projet qui peut avoir un impact extraordinaire si jamais nous réussissons à implémenter. Si nous réussissons à gagner un final là, nous réussissons à remporter ça 500 000 roupies là, ça l'enjeu là nous pouvons investir dans nous-mêmes dans nos startups et ça projet là même. Donc nous pouvons essayer, comment là si nous finissons monter un prototype à final, qui fait nous pas finir monter un système que nous avons produit en grande quantité. Et pour la suite, nous propose le gouvernement un système côté lien du barbe perdant. Et que vu qu'il y a NFC, il coûte moins cher qu'il y a les autres systèmes crédit, tout ça là. Ok, comment nous trouver plusieurs fois un contrôleur, un bus, qui pas un billet du journal, le bus ne peut pas prendre ensuite. Et ça, c'est un moyen qui a résolu ça. Et deuxième, c'est à côté là, il amène une nouvelle technologie. Il peut faire Maurice avancer un peu et montrer qu'il n'est pas jeune,
que nous pouvons penser et qui nous pouvons faire pour nous payer. Si nous finissons le final, nous recevons un prototype qui pourrait être une bonne solution, qui nous applique le entier l'île. Et aussi, une affaire qui nous extend le NFC, il n'est pas juste comme dire pour voir si nous ne sommes pas payés. Normalement, si nous envisageons un système de paiement général, code PCV vient code, nous pouvons même appliquer à l'entier population. Code population PCV à NFC code là pour ce voyage pour bus. La semaine prochaine, vous verrez la mise en œuvre des trois derniers finalistes du National Innovation Challenge. Un dernier arrêt avant la finale, où un seul parmi ces sept aspirants pourra remporter le Grand Prix du National Innovation Challenge. Nous vous disons à la semaine prochaine.